L'objectif, c'est de promouvoir le retour au bercail et l'insertion socio-professionnelle. Le collectif, depuis 2011, collabore avec l'Union européenne, avec la francophonie, avec, bien entendu, avec le gouvernement du Sénégal. Il y a un mois de cela, le secrétaire d'État chargé des Sénégal extérieurs, mon frère Moïse Sarr, nous avait reçus. Et pas plus que tout à l'heure, on est allé les voir par rapport à tout ce qui est projet du collectif des cartes de la diaspora. Et je pense qu'on va signer une convention pour les accompagner. Le collectif va créer ce qu'on appelle un centre d'appel des Sénégal de l'extérieur. Et depuis 2011, le collectif est en train de réfléchir par rapport à un projet pour créer la Banque internationale des Sénégal de l'extérieur. On y travaille avec la Banque européenne d'investissement. Et vous savez, 1 000 milliards par an, ce n'est pas négligeable. Et si on crée une banque, vraiment pour insérer ces fonds-là dans une banque, on peut créer, on peut financer tous les projets des immigrés au retour. Et le collectif est en train aussi de travailler avec les ambassades accréditées, parce que chaque ambassade a un projet pour aider les immigrés au retour. Je parle sous le contrôle du secrétaire général, parce que nous travaillons avec l'OFI, l'Office français de l'immigration. Donc, c'est une association vraiment à but non lucratif, certes, mais c'est une association engagée et qui œuvre pour l'insertion, qui œuvre pour le développement en créant vraiment des passerelles pour vraiment financer ces projets-là, pour aider les jeunes à trouver du boulot. Parce que si je ne me trompe pas, depuis 2011, le collectif a inséré pas mal de cadres, que ce soit dans l'État, que ce soit dans le patronat français, parce que l'ambassadeur de France, M. Bigot, avait dit que le patronat français a des difficultés pour insérer des cadres. Donc, ils ont utilisé notre plateforme pour insérer des jeunes, donc pour montrer que vraiment, M. Diop, la question, elle est bien, et puis ça fait partie de nos rôles, ça fait partie de nos priorités. Le collectif des cadres de la diaspora n'est pas une association folklorique ni événementielle, c'est une association engagée, reconnue partout dans le monde. Monsieur Fay, quand vous avez lancé un appel à tous les Sénégalais à rejoindre votre collectif sans aucune discrimination, donc je veux savoir de manière précise si votre collectif est restreint, cela veut dire spécifiquement aux jeunes entrepreneurs, ou bien ils se voient inclusifs, c'est-à-dire qu'ils s'impliquent aussi, ils impliquent aussi les acteurs de l'économie informelle. Merci madame, très bonne question. Pour vous répondre, je m'en vais très vite vous rappeler notre émission d'hier soir à la RSI. On était les invités de DJ Prince qui nous avait posé cette même question-là. C'est une association qui est ouverte à tous. Parce que, comme on le dit en Wolof, « Mbolo moy dole ». Donc, nous ouvrons nos portes à tous Sénégalais. En tout cas, à toutes les bonnes volontés, le collectif des cadres de la diaspora ouvre ses portes à tout le monde. C'est vrai, c'est le collectif des cadres de la diaspora. On nous dit que c'est une association élitiste, mais non. C'est vrai, c'est le collectif des cadres de la diaspora. Mais qui est cadre? Quelqu'un qui est expérimenté, qui est intellectuel. Et on peut être moudou et chef d'entreprise. On peut être Sénégalais, lambda, chef d'entreprise, président d'une association. Donc, nous sommes des Sénégalais, certes nous avons fait 20 ans, 15 ans dans la diaspora, nous avons osé le retour, c'est pourquoi nous avons tendu la main à tous les Sénégalais pour qu'ils puissent vraiment venir nous appuyer par rapport à cette noble mission. Youssou, on va couper la porte en deux, je vais répondre à la première question et à la deuxième question, je vais laisser ça au docteur Dieye pour ne pas monopoliser la parole. Mon frère et ami Diong, heureusement qu'il y a des journalistes qui reconnaissent le collectif des cadres de la diaspora. Depuis 2011, ça fait 8 ans quand même. Donc, une association qui se bat et une association qui a organisé en 2013 un forum économique et d'investissement des Sénégal extérieurs. M. Diong était là-bas, c'était au King Fahd Palace.
où nous avions des investisseurs sénégalais et étrangers. Et cette année, Youssouf, ce qui nous a poussé, c'est qu'il est temps pour qu'on puisse vraiment convaincre les Sénégalais. Parce que je viens de rentrer d'une tournée internationale, j'ai fait 2 mois aux États-Unis. Je sais qu'il y a des centaines de Sénégalais qui ont réussi et qui ont créé des entreprises et qui emploient des Américains. Et pourquoi pas ces Sénégalais-là puissent venir, revenir, servir leur pays et participer à l'émergence du Sénégal. Monsieur Diongue, ce qui nous a poussé, c'était ça en fait. Depuis 8 ans, on était en train de réfléchir, mais 2019 est la bonne. On a organisé un forum pour l'emploi des cadres de la diaspora sous WAD. On a organisé un forum d'investissement économique et d'investissement des Sénégalais extérieurs en 2013. Cette année, on a décidé d'organiser la soirée Diaspora Awards, qui n'est pas une soirée folklorique, mais une soirée qui va parler au Sénégal de la diaspora. Une soirée qui va donner un exemple à ces success stories-là et qui va inspirer les jeunes Sénégalais pour leur montrer qu'effectivement, aller, revenir, insérer au Sénégal, c'est bel et bien possible. Rester, participer à l'émergence du Sénégal, c'est bel et bien possible parce que nous, en tant que cadre, nous avons osé ici braver le marché du travail et nous avons réussi. Machallah, on donne des cours dans les universités, on voyage partout et on a osé le retour. C'est pourquoi on a jugé nécessaire vraiment d'organiser cette rencontre-là et nous avons des partenaires de taille. Monsieur Diongue, le collectif des cadres de la diaspora sera accompagné par l'ambassade des États-Unis. Le collectif des cadres de la diaspora sera accompagné par la francophonie. Le directeur de la francophonie au Sénégal nous a reçus tout à l'heure vers 13h. Et nous avons l'Union européenne. L'actuelle ambassadrice, Mme Irène, va nous recevoir le 5 septembre pour une audience parce qu'elle a reçu son courrier et elle a dit que c'est ça que je veux. Je suis pour les associations engagées et le collectif des cadres de la diaspora est engagé. À la question, c'est très simple. Nous sommes partis de nous-mêmes. Il n'y a pas une instance, il n'y a pas une organisation, il n'y a pas un cadre qui ait été à l'origine de cette inspiration. Non, c'est nous-mêmes. Parce que on a vu que, comme le disait le président John Kennedy, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays avant de te demander ce que ton pays peut faire pour toi. Et le Sénégalais ne sera que ce que les Sénégalais feront de lui. Et les jeunes Chinois, quelque intelligents qu'ils soient, ne feront jamais le Sénégal à la place des jeunes Sénégalais. C'est nous-mêmes, armés de 4D, armés de 2C, armés de 3F. C'est nous-mêmes. Dans la vie, il faut refuser de vivre tout en étant un simple consommateur. Après avoir consommé l'héritage des anciens, il faut quand même produire quelque chose, mais pour les générations futures. C'est dans cette perspective-là que nous nous sommes armés de 4D. Le désir de le faire. Cette soirée-là est devenue une obnubilation, c'est-à-dire so, do it or die. Nous allons l'organiser ou nous allons plier nos bagages et sortir du Sénégal. Ça, il faut que tout le monde le sache. Inch'Allah. Après le désir de le faire, il y a la décision de passer à l'action. Ken du djef baraw la nga fassiyene di wax ba dab ko. Il faut agir sur le terrain et maintenant. C'est la raison pour laquelle nous avons consulté ce collectif-là, nous l'avons renforcé. Parce que le pire des défauts qu'a refusé le collectif, c'est la suffisance. Tout ce qui est fait pour moi, sans moi et contre moi. On ne peut pas plaider la cause des Sénégalais en excluant des Sénégalais. Troisième D, la discipline. Nous sommes respectueux des institutions de ce pays. Quatrième D, la détermination. Les 2 C, la croyance en soi et la confiance en soi. Les 3 F, le fit, le full et le faide. Nous sommes des Sénégalais bontins. Nous avons fait l'Europe, les États-Unis. Je ne veux pas trop insister sur la personnalisation, sinon j'allais dire que dans le collectif, il y a des gens qui ont soutenu leur doctorat et qui sont rentrés dans la semaine au Sénégal, qui ont décliné une offre de CDI aux États-Unis.
qui ont décliné une offre de proposition de poste d'enseignement à l'université de Paris 8 pour rentrer dans ce pays. Si tout le monde fuit le Sénégal comme la peste, mais qui va le développer? Absolument. C'est ça. C'est une question d'actualité et ça fait partie de nos priorités. Si vous avez bien entendu mes propos tout à l'heure en répondant à mon frère Youssou Diom, le collectif des cadres de la diaspora, pourquoi l'association a obtenu le soutien des institutions internationales? Parce que notre credo, c'est de lutter contre l'immigration irrégulière. Très souvent, on nous parle d'immigration clandestine. C'est vrai que c'est le mot, l'appellation le plus populaire. Mais un jour, on a eu à rencontrer l'ambassadeur de France et son premier secrétaire, M. Luc Brière, et Lofi, qui nous ont dit qu'il faut parfaire l'appellation, parce que ça fait très mal, immigration clandestine. Ça fait mal au cœur, parce que nous avons vu nos compatriotes, nos frères, nos sœurs, vraiment, qui ont traversé le désert. Il y a des Sénégalais qui sont retenus à Lampedusa, Libye. Comme l'a si bien dit le docteur Dieye, la Méditerranée ou bien l'océan est devenu des cimetières. Et il faut que ça cesse. Et notre credo est, à travers cette soirée-là, tous les fonds que nous recevrons, on va verser ça aux veuves des immigrés, aux gens qui ont perdu leurs enfants. On va faire du social, parce qu'on n'est pas des événementialistes, on n'est pas des folkloristes, nous sommes des Sénégalais engagés. C'est pourquoi l'immigration clandestine fait partie de nos priorités, et je pense que c'est important de le dire. Chaque année, on fait des forums pour essayer de lutter contre ça. Et il y a le Yirim Ousmane Tanordien, qui nous avait reçus à Paris lors du forum des diasporas africaines, avait jugé nécessaire d'organiser ce qu'on appelle les assises internationales de la diaspora pour qu'on puisse réfléchir par rapport à l'immigration clandestine. Et je pense que je vais saisir le président de la République, Macky Sall, pour qu'on puisse vraiment faire un hommage à Ousmane Tanordien, qui a eu vraiment l'audace, qui a eu l'idée pour qu'on puisse organiser les assises internationales de la diaspora pour lutter contre ce fléau qui nous hante, ce fléau qui est vraiment très mal pour le Sénégal. Je vous remercie.